Ma première vidéo back to school, voilà. Donc je filme cette vidéo, on est le 29, donc voilà, donc je rentre le 5 septembre, voilà, en sachant que donc je suis belge et que déjà donc je rentre en 3ème secondaire. Et en fait qu'on ne reçoit pas vraiment de liste et tout, et que c'est plus genre à la rentrée où on sait ce qu'on doit voir, quel type de farde et tout. Mais voilà, j'ai été hier chez Action, donc j'ai acheté 3 trucs en tout, voilà, que j'avais envie d'avoir. Je ne sais pas à quoi ça me servait, enfin il y a un truc que je sais à quoi ça me servir, mais les deux autres trucs je ne sais pas. Voilà, et je vais vous montrer après les trucs que j'avais déjà avant, parce que l'année passée, comme j'étais pas encore sur YouTube, vous ne savez pas ce que j'avais acheté et tout, et mes trousses, en sachant que j'ai encore acheté pour mes trousses et tout, parce que j'ai fait un petit trip, parce que tout fonctionne encore bien. Peut-être encore un bic à 4 couleurs, des nouveaux crayons ordinaires, ou porte-mine. Et des surligneurs. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les achats. Donc je vais commencer par ça. Alors donc à Action, donc ça a coûté 2,99€. Donc c'est des feuilles de couleur. Voilà. Pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement, donc là on a 4, il y en a 250. Ouais. Pourquoi j'en ai acheté? Tout simplement parce que l'année passée j'avais fait des pages de garde, donc moi-même, en sachant que les profs en font des fois, mais voilà, j'avais envie de faire un truc. Voilà. Et comme ici je vois, soit je refais pour tout, c'est peut-être ce que je vais faire, parce que bon, j'en ai beaucoup et j'ai peut-être une idée de ce que je vais faire, donc je vais vous dire tout de suite après. Et en plus il me manque des pages de garde pour d'autres matières que je n'avais pas l'année passée, ou que qui se sont remplacées par d'autres, enfin bref. Et donc voilà, donc en fait mon idée, c'est donc mettre la matière, mon prénom, ma classe, le nom de l'établissement, le nom de la prof, l'année, enfin voilà, tout tralala. Et d'après, mettre aussi des photos de chevaux, donc de calouzo, de chevaux, comme j'ai pris des photos et tout, j'ai mes photos de mon brevet et tout. Donc en fait j'ai une idée de faire ça. Donc il y a bleu, donc il y avait plus pastel, donc comme j'ai pris, et pas non plus hyper pastel mais quand même, et plus flashy, donc j'ai préféré prendre ça parce que les flashy et tout j'avais pas trop envie. Donc il y a bleu, jaune, rose, enfin plus rose, vert et jaune. Enfin voilà, il y a deux différents jeux. Enfin voilà, de toute façon vous voyez les couleurs. Donc j'ai envie de faire ça, donc voilà. Et il y en a assez pour longtemps en fait. Hein. Donc je pourrais faire toutes mes années. Je pense que je serais faire. Voilà. Et mais je sais pas si j'aurais besoin de feuilles de couleur pendant l'année. Mais en plus j'en ai. J'en avais genre presque plus et tout. Et en plus j'aimais pas trop ces feuilles de couleur. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté en fait les deux mêmes, mais c'est parce que en sachant pas si je les ai utilisés ou pas, j'ai voulu en prendre deux. C'est des trucs que je voulais depuis hyper longtemps.
Donc voilà, donc c'est des fards à 6 compartiments, donc des trieurs comme on dit en France. Voilà, donc ici, je sais pas comment ils disent. Classeurs avec 6 compartiments, ici on dit classeurs, voilà. Donc voilà, donc ça m'a coûté, je ne sais plus, ils sont où, 1,52€ je pense. Donc voilà, je vais vous montrer qu'un. C'est du même. Donc là il y a des trucs. Je sais pas ce que c'est. Voilà, donc c'est comme ça. Donc il y a des. Il y a des petits trucs ici pour mettre la matière et tout. Donc voilà, bon, je sais pas si ça va tenir du coup et tout. Ma mère en a acheté un autre pour elle et tout. Bon, donc, je sais pas si ça va tenir du coup quand même. Il faudrait que j'enlève peut-être l'étiquette ici. Voilà, donc j'ai pris en noir et en rose. Je sais pas ce que c'est. Ça peut être... Ah ouais, c'est pour les lettres et tout. Alors moi c'est complètement le même. Il y avait genre bleu et tout, mais bon, je me dis prends deux couleurs qui vont plus ou moins avec ensemble et que j'aime bien. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout pour mes achats. Voilà, donc là je vais vous présenter plus ou moins des trousses qui sont les mêmes que l'année passée mais que vous n'avez pas vu. Oula, elle donne... Attends, parce que là elle donnait bleu genre presque là. Donc voilà, donne à une. Donc ça c'est ma plus grosse. Donc à deux compartiments. Donc j'ai dans la première poche tous mes crayons couleurs en sachant qu'on utilise à peine les crayons couleurs. Taille crayon que j'ai oublié de vider. Un bâton de colle que j'utilise à peine et une paire de ciseaux que j'utilise à peine mais qui sont toujours là. Voilà. Moi je suis pas genre quelqu'un voilà, que je rachète tout le temps des nouveaux trucs pour voilà, un nouveau cartable, des nouvelles fards. Parce que j'en défends, j'en ai plein. Je vais essayer d'en récupérer le plus possible. En plus j'essaie de faire une organisation pour pas trop avoir de choses dans mon sac en sachant que c'est pas on doit enfin c'est compliqué d'avoir une organisation à nous, voilà, parce que enfin ici je sais pas mais genre en première et deuxième ils avaient quand même l'organisation, les profs qu'on devait avoir. Donc voilà, ici donc j'ai mes stabilos voilà mes marqueur que j'utilise à peine et mes surligneurs, mais il faudrait que j'en rachète quand même parce que en fait on surligne quand même, enfin moi j'aime bien surligner en fait les trucs, donc même si on n'est pas obligé de surligner ou quoi les trucs, moi j'aime bien parce que je pour étudier mais j'aime bien qu'il y ait de la couleur en fait, j'écris pas voilà mais en fait je lis et voilà. Du coup j'ai besoin d'avoir la couleur. Ici donc j'ai encore des surligneurs parce que ben j'avais enfin il y en avait beaucoup et donc pas avoir tous dans le même. J'ai des feutres, hop, des feutres voilà donc 07, 03 et 05 que j'avais pour artistique l'année passée, que je m'en suis servi à peine. Des crayons HB. Non, là c'est 2B et 2H, voilà, mon crayon et tout, un Tipex, mon stylo que j'ai depuis ma 6ème, je pense que je l'avais déjà, mon 6ème primaire, un bic que je dois en racheter un, parce que le vert, il n'y a plus de couleur, enfin bref. J'ai tout ça. Donc voilà, moi je rachète pas vraiment beaucoup de trucs en fait, comme je l'ai dit. Donc là, je vous présente bah, juste une farde que j'ai une autre verte. Donc voilà, que je vais récupérer.
même si elle est bien décorée. Merci Saline. Voilà, mais et voilà, donc une barre comme ça. J'ai une autre farde, donc comme je dis, voilà, une fine. Et ici, j'ai des protège-cahiers que j'ai pas beaucoup utilisés, mais c'est vrai que je me dis, pour mon journal de classe, au moins, on ne devra peut-être pas recouvrir. Et voilà. Des étiquettes que j'ai achetées l'année passée et que j'ai à peine utilisées, parce qu'en fait, maintenant, on ne met plus vraiment d'étiquettes. Enfin, je sais pas, en primaire, on est toujours là avec nos étiquettes, on va racheter. Et des fins d'alimentaire, toujours bien pour avoir, pour les vagues de contrôle, mais pour en racheter. En fait, ce que je dis, c'est que moi, souvent, enfin, j'achète mes fournitures, enfin, tout, genre, après la rentrée, donc je rentre le mardi 5, en sachant que ma mère ne travaille pas l'après-midi, donc en fait, dès que j'ai fini, en fait on va aller acheter des trucs et tout, enfin on doit encore acheter peut-être des trucs, mais bon, j'ai là pour l'instant j'ai pas vraiment grand chose, enfin des bics, mon crayon, parce que genre il est tout petit comme ça, mais je sais encore l'utiliser, donc si j'en ai besoin le premier jour, un crayon, c'est pas encore trop grave, en sachant que en fait donc c'est toujours la même école, je suis dans la même école, mais parce qu'il y a deux établissements et on change d'implantation en fait. Et on connaît pas grand chose. Enfin, moi j'ai été des fois parce qu'il y avait des activités là-bas et tout, mais on connaît pas genre tout. Et donc voilà. Donc voilà, la vidéo est finie. Donc je vais pas prévoir à présenter mon cartable. Au pire, si je ferai peut-être une deuxième partie en fait, où j'ai vraiment tout et tout. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.